Et salut à tous, c'est Darkmania, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Infamous. Voilà, on s'est arrêté ici, sur ce toit là. Écoutez, on va aller à la mission là-bas. Mais il se peut que il faudra que j'aille. Je pense qu'il faudra que j'aille. Ouais, je pense qu'il faudra que j'aille quand même désactiver les trucs ou pas, je ne sais pas. Alors, ça c'est quoi? Alors, comme il m'en faut 5, je prends. Du coup, ça c'est quoi? Oh, c'est mignon ça. C'est mignon tout plein ici. Alors, c'est là-bas. Hop là, la mission est ici. Hop. Alors, Régie prend le large. Ah oh bah voilà, on peut la commencer. Bah on y va. Voyons. Si je portais un de ces machins, je voudrais l'enlever le plus vite possible. Parce que bon, elles sont vraiment immondes. Et puis aussi parce que ça fait un peu genre « Venez attaquez-moi, je suis soupçonné de bioterrorisme !» Bon, alors tu cherches un endroit intime pour te mettre à Walp, avec une porte qui ferme, un petit carré pour s'asseoir... Des toilettes de chantier, c'est vraiment idéal. On peut faire d'une pierre deux coups. Alors lequel de vous les cache? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Recherche le poster. Bon. Ça commence fort. Commencer par là. Bon, moi je pense pas qu'il y ait aux toilettes. Hein. Un peu con. Ça serait un peu bête qu'il se cache directement là. Ici, là, il y a quoi ici? Ça me rappelle un petit peu Speaking Dog. Hop, aux toilettes ici peut-être. LOL. Ah, il est beau celui-là. Vous voulez pas aider le DUP? Il est beau ce bug. Alors. Personne. Genre, il est forcément dans les toilettes. Non. Très bien. Non plus. Il y avait une petite empreinte là. Hop là. À tous les coups, il se trouve là. Non. Genre, il est forcément dans les toilettes quoi. Il est forcément dans les toilettes. Ah bah voilà, il est là. Hey, je suis pas un agent du DUP. Et je suis pas non plus un dingue qui ouvre au hasard les portes des toilettes occupées. Non, attends, je l'ai vu le premier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah non, il y a... Bon, c'est pas... Ah. Hey, Delsine, je suis dans l'Lanterne District. Tu y es encore? Ouais, il était temps que tu débarques. C'est quoi ce merdier? Je te laisse seul pendant 2 heures et je te retrouve avec des anges de proie qui tombent en piqué. Y a sûrement un rapport avec le porteur qu'on cherche. J'ai libéré quelques prisonniers que le DUP déplaçait. Ah, faut tuer les mecs là? Coup de chance, ton grand frère est là. Ça va être short hein, pour tuer ça là. Pour un type avec une veste noire et jaune. Ah là, il nous attaque pas donc. Ça avait pas dû être simple de l'enlever. Elle est pleine d'attaches. Je dois dire, petit frère, que tu commences à bien choper le truc pour cette chasse à l'homme. Quand on sera à la maison, tu seras mon lieutenant. Au moins t'auras. Ouais, mais du coup, je l'ai perdu, je sais pas où il est, le gars là. Ah, bon. Ok, faut la repartir là. Cherche les autres porteurs, je sais pas quoi. Ça vous embête pas que je me joigne à vous? Alors, cherche les autres porteurs en fuite sur le chantier. Oh putain! Ah, d'accord, ça va, c'est. Il meurt assez vite. Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est des méchants. Voilà, y a plus de méchants. Quoi, y a plus de méchants? Entre guillemets. Voilà.
Voilà, ça c'est fait, je sais même pas s'il est mort. Il y a une mission qui s'est déclenchée en même temps que l'autre mission. Hein? Voilà. Du coup, faut que j'aille l'autre côté. Génial. Heureusement que j'ai des pouvoirs de ouf. Qu'est-ce qu'il y a là? Problème? Oh là là, oh! D'où ça tire là? Ah! Oulala! Oulala, c'est chaud là! Oh, doucement! Ah, je vais mourir. Ah, putain! Hauteur de fuite. Ah, il est là-haut. Maîtrise. Ah, faut tuer tout ça là? Ouais, je crois que le porteur il est là-haut en fait. Hé, hey, toi là-haut! J'ai un marché à te proposer! On reprend la poursuite! Oh mais putain! Non, fais pas ça! Oh, bien joué le parachute. Alors qu'est-ce qu'il faut attrape génial, faut que j'attrape le gars hors qu'on me tire dessus quoi, c'est. Putain, il y a pas mal de monde là. What? Oh, on est entouré de bandits et tout. Comment ça se passe, lieutenant? Ouais, mais c'est pas le moment là, nous casser les couilles là, dégage! Avec tous les porteurs et je peux plus suivre. Alors, la routine comme d'hab? Et en plus, comme si les anges suffisaient pas, il y a aussi ces gangs de gros relous qui se trimballent dans le coin. Ouais, il doit s'agir des Akula. Bande de brutes épaisses qui aiment semer la panique dans le district international. Essaie de les éviter au maximum. Bon, je m'en tire bien pour l'instant, mais ces types sont de vraies raclures. Oh, relax. Je crois qu'il est juste le temps de s'en remettre aux flics, frangin. Écoute, rejoins-moi devant les toilettes du marché Hingay. J'ai une idée de dingue. D'accord, je te rejoins près des toilettes. Écoute, je sais pas. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, c'est eux là. J'ai remarqué que ça revenait souvent sur le tapis. Attends, on se fait attaquer dans tous les sens maintenant. Truc de ouf. Je crois que je vais acquérir des nouveaux pouvoirs parce que là, sinon, je vais pas tenir. Il est où? Ah. Sérieux? T'en dis quoi? Bon, j'ai eu un mal de chien à l'enfiler, surtout là-dedans. Vu l'odeur, quelqu'un a dû bouffer du thaï. Mais t'en dis quoi? Poursuis-moi! Tu veux que je te cours après? Ouais, poursuis-moi, tire-moi dessus, enfin à côté, tire à côté, et on verra ce qui se passe quand un des anges se pointera. Bah tiens, c'est pas comme si j'étais de taille contre les anges, je te signale. S'ils réussissent à te choper, je sais même pas où t'atterriras. Ouais, je sais. Mais écoute, tu vois quand tu perds ton téléphone et que tu te sers du mien pour le retrouver? Ouais. Ouais, et ben on a un lien GPS. Ah ouais, alors t'es comme un énorme émetteur GPS, je vois. Ok, bon écoute, il faut que ça ait l'air vrai, compris? Mais pas trop vrai. Juste assez pour réussir à berner les anges. T'es d'attaque? Ah mais je peux t'attaquer quand je veux, hein. Non, allez. Arrête tes conneries. Pas mal. Oh, comment je vais trop faire, mon connard. Les braves gens, car je suis un bio-terroriste. Qu'est-ce que je dois faire?
horrible méchant super pouvoir. Ah non, je me rendrai jamais. Ah là, je peux choper là. Terroriste, je mange des enfants et des chatons. Les autres porteurs font pas ça. Hey, qu'est-ce que j'ai dit? Bah cours, l'autre il court pas là. Oh, allez, cours. Cours, petit. Le monde, prosterne-toi devant ma grandeur. Ah mais là je le prends là, je le démonte là. Veuillez me pardonner. Laissez-moi passer. Allez. Devant moi, mortel. Je peux vous craser si j'ai dit de faire semblant. Bah t'as qu'à dégager là, oh, tu fais semblant. Mec, 2 heures. Voilà le service de ramassage. Hé, hey, hé, suis mon téléphone. Hé, hey, fais pas ton connard. J'ai pas besoin là, je te vois, pauvre con. Peut-être un peu moins vite. C'est que c'est ma première fois avec un ange. Ah ouais, les anges ont des mains super douces. Est-ce qu'une de tes proies avait déjà dit ça? Ouais. Écoute, je voudrais juste savoir si tu sais où tu vas. Je me disais qu'on pourrait peut-être demander notre chemin à quelqu'un. Ça m'arrangerait. Je te vois sur la carte, bouffon. C'est toi, est-ce que tu sais où tu vas même? Moi je sais où tu vas, hein, je te suis là. Ah bah voilà, il est là. Il est sur le toit là. Les anges vidéo, j'aurais dû m'en douter de celle-là. My god. Alors les anges et les démons utilisent des écrans géants comme portail, détruis-les. D'accord. Je sens que je vais mourir. Quand je tire sur l'écran, hein? C'est tout ce que t'as? Tu te bats comme un chérubin! C'est ça! Continue de viser l'écran! J'ai l'impression que c'est ce qui les touche le plus! Ouais, voilà! Venez! Je vais tous vous fumer! Allez! Arrête de secouer tes plumes et laisse-moi tirer! Oh putain! Oh putain! Mon dieu! Oh putain! Je suis en dessous d'un néon là, pourquoi il veut pas? D'accord, what the fuck? Attendez, je suis... Ah! Je comprenais pas, j'étais en dessous d'un néon mais je pouvais pas prendre le pouvoir quoi. C'est lol quoi. Ah. Oh putain. Drac. Mais je suis Keblou là.
Ouh la vache, my god! Putain, mais je tire sur l'écran, ça fait 2 heures, hein. Regarde ça. Allez, ça! LOL quoi! Je tire depuis 2 heures sur l'écran quoi! Putain, c'est quoi cette histoire là? Ange démon là! Oh mais putain! Ouh, ça commence à m'énerver là. Le mec qui est en mousse là, ça commence vraiment à m'énerver quoi. Putain, regardez. Allez, mais lâche-moi, toi, hein, oula. Oh putain, la vache. J'ai jamais pu saquer les publicités. Bon, où est passé le tour? Ouh la vache. C'était la pire idée de tous les temps. Oh, c'est pas vrai. Alors là, frangin, je dois reconnaître que tu fais un très bon appât. Quoi? Ça a marché, non? On a trouvé le repère du porteur aux anges, on n'a plus qu'à le choper. Bon allez, viens, on se motive. Je vais retirer tout ce bordel et je vais chialer un bon coup avant de dormir. Il doit y avoir un tas de trucs bizarres et dangereux en bas. Et tu sais quoi, frangin? Je te les laisse. Oh bon. Allez, fais pas la tronche. Eh, c'était ton idée, hein? Ok. Pas mal. Allez, prochaine mission. Hey Delsin. Eugène, je voulais te remercier pour ton aide. J'ai trouvé la planque du porteur et je suis sur le point d'y entrer. C'est une très mauvaise idée. Allez, c'est un porteur qui ose même pas se battre en personne. Qu'est-ce que je risque? Non, non, sérieusement, n'y va pas. Ok, je t'appelle quand j'ai fini. Bon, il est temps d'apprendre de nouveaux trucs. Alors c'est comme ça qu'on fabrique les anges. Alors, fouille le sous-sol à la recherche du porteur. Ok. Wow, la classe. Oh.
Ouais, c'est ce que je pensais. C'est de la lave. Vraiment que j'arrête de faire ça. Sors de la lave, Delphine, et vite! Oh, merde! C'est quand même dangereux, ce truc, là. J'en ai ma claque de ta lave!
C'est ce que je pensais. C'est de la lave. Vraiment que j'arrête de faire ça. De la lave, Delphine, et vite! Merde! C'est quand même dangereux ce truc! Bon, j'en ai ma claque de ta lave.
Et je me retrouve au purgatoire. Je bouge pas avant d'avoir récupéré ce que je suis venu chercher. Je suis lassé de ta compagnie. Les infirmières volantes te protégeront pas éternellement. Tu fais que retarder l'inévitable. Yeah.
Au bahut, j'essayais de me fondre dans la masse. De faire partie du décor. De disparaître. Mais ils finissaient toujours par me trouver. À chaque fois. Le seul endroit où j'avais ma place, c'était dans Heaven's Hellfire. Dans ce jeu, c'est moi qui dictais les règles. Je pouvais invoquer des anges pour protéger les faibles. Et des démons pour punir les méchants. Mais le monde réel, ça, je pouvais pas le contrôler. Au début, je faisais de mon mieux pour les ignorer. Et puis un jour, ils m'ont vraiment poussé à bout. Quand le DUP est arrivé, on m'a dit qu'on m'emmenait dans une nouvelle école, faite pour les gens comme moi, différents. Pendant 6 ans, elle m'a branché à ses machines. Elle me forçait à les appeler, et elle arrêtait tout avant qu'ils puissent me sauver. Et puis il y a eu l'accident. C'était l'occasion de pouvoir disparaître une bonne fois pour toutes. De trouver un refuge, un abri. Mais quand je les ai vus embarquer d'autres personnes qui étaient différentes, j'ai su ce qu'elle allait leur faire et... J'ai compris. J'ai compris qu'on devait l'en empêcher. Delphine ! Oh. Delphine ! Ça commence à être relou. T'avais l'air d'avoir des ennuis, alors je suis venu. Ouais. Ça va ? Ouais, ça va, merci, Rach. Heureusement que t'étais là. Ah mais non, c'est vrai, t'étais pas là. En fait, mon vieux, tu vas halluciner en voyant ce que je sais faire. Enfin, faudra déjà que je sache ce que c'est. L'important, c'est que t'as débarrassé la ville d'un kidnappeur. Eh, doucement, vieux, c'est pas un kidnappeur. En fait, c'est... un sauveur. Delphine, écoute-moi bien. Il a enlevé des porteurs présumés en pleine rue, contre leur gré. C'est du kidnapping. Attends, reste où t'es, Reggie. D'abord, merci d'avoir utilisé le mot porteur. Ensuite, arrête d'être aussi con. Écoute. Ok. Disons qu'on n'est pas d'accord sur ce point. Mais on sait tous les deux qu'il vaudrait mieux pour tout le monde qu'il soit enfermé. Reste ici, ok? Je peux te toucher deux mots? Je croyais que t'étais du genre à respecter la loi et pas enfermer les gens sans les juger. Hé, en temps normal, c'est ce que je fais. Alors quoi? Tout ça c'est du vent? T'oublies tes bons principes quand ça t'arrange, c'est ça? Trouve-toi une perruque rousse et un vieil impère et fais-toi appeler Augustine tant que t'y es. Peut-être pour Halloween. Cool. Bon, le geek et moi, là, on va avoir une petite discussion de porteur à porteur. Ça veut dire que t'es pas invité. D'accord. Si t'as besoin de moi, je suis juste à côté, ok? Ah, et merci beaucoup pour ton aide. Heureusement que t'étais là, hein. Ah oui, non, c'est vrai, t'étais pas là. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Eugène? Toi, moi, deux porteurs, une descente en ville, tu me montres tes trucs de jeux vidéo, et moi, je te montre quelques conseils de drague, et on peut même sauver d'autres porteurs au passage. Ça me dit trop rien. Je me sens plus en sécurité ici. Sans déconner, si tu restes cloîtré ici à jouer aux anges et aux démons, tu vas rester puceau toute ta vie. Écoute. C'est ta vie. Mais je sais que nous aussi, on a notre place. Là-bas, dans le monde réel. Il faut juste qu'on se la fasse nous-mêmes. Je te laisse réfléchir. Tu me tiens au jus, d'accord ? On va jeter un œil au nouvel arsenal. On est tous derrière toi. Pourquoi personne ne vient m'aider ? Appuie sur la détente. Ma
Ne me laissez pas mourir comme ça. Ça commence fort. Non, non, ça le fait pas du tout. Ça me fout les jetons. Bougez pas, je vais prévenir les secours. Ok frérot, je t'ai envoyé un nouveau relais de noyau. Reggie, j'ai besoin de toi. J'ai perdu tous mes pouvoirs. Eugène m'a absolument rien donné, et tous les autres ont disparu. Quoi? Reste où tu es, je te rejoins. Non, 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 c'est beaucoup trop risqué. Le GPS mentionne une allée quelques blocs plus loin. Ok, je la vois. On s'y retrouve. Je tiens à m'excuser pour le combat non parlé, hein, je suis désolé, mais ça fait 50 fois que ça fait 3 fois que je le fais le combat et je meurs à chaque fois bêtement, donc j'ai préféré de ne pas parler et de me concentrer sur le combat et de pouvoir finir le combat. Voilà, donc ça a été fait. Voilà, j'ai fini donc le combat. Bah, j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura plu, même si je n'ai pas parlé. Au moins, vous aurez vu un petit peu la stratégie du combat, elle est assez chaude. Mais je pense que quand on saisit un petit peu ce qu'il faut faire, ça va vite. Voilà. Bon, bah, je vous laisse parce que ça va faire, je pense, à peu près d'une heure de vidéo. Je suis désolé. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve pour la prochaine mission. Voilà. Merci beaucoup. Allez, salut à tous.